Et salut tout le monde, c'est Wincraft et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Redwood. Et on se retrouve au spawn parce que comme vous aurez pu le voir dans le petit timelapse qu'il y avait en introduction, j'ai construit un petit bâtiment au spawn, un petit bâtiment qui a pour but de remplacer l'escalier qu'on avait avant juste ici pour monter au niveau de la ferme à fer. Donc ce petit bâtiment c'est un genre de petite maison, un petit peu dans un style peut-être pas steampunk, d'ailleurs on a Keeper qui se balade à côté à la ferme à bois. Un style ouais, un peu médiéval avec des matériaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser comme du bloc d'os. Et donc ce bâtiment permet de faire la jonction entre cette partie basse au niveau du marché et donc du spawn en général, du village du spawn. Et la ferme à fer et la ferme à bois qui sont juste en haut. Donc on peut monter, on a des petites terrasses également à certains niveaux intermédiaires pour pouvoir admirer le spawn sur différents angles de vue. Donc, on peut monter comme ça, on a également un grand balcon ici qui permet d'avoir une vue sur le marché. Et pour terminer, donc si on va à ce niveau là, donc là on a un étage qui sert un petit peu à rien. Et ici donc on a un balcon pour voir vraiment une vue en hauteur du spawn. Et de ce côté là on peut accéder à la ferme à fer et à la ferme à bois où Keeper est en train de récolter un petit peu de bois. Bon, il se met à pleuvoir mais en tout cas donc on a la ferme à fer juste ici dans laquelle il doit y avoir un petit peu de fer. Je sais pas trop combien il y en a, on va aller voir. 40, ouais c'est plutôt pas mal. Je pense que ça a été récolté il y a pas trop longtemps en plus. Voilà qui se met à faire de l'orage maintenant. Du coup je vais passer dans le Nether pour vous montrer d'autres nouveautés que j'ai fait entre les deux épisodes. Alors dans le Nether comme vous pouvez le voir maintenant on a un petit hub. Donc j'avais construit, alors je pensais avoir activé le replay mode mais en fait non, donc tant pis, il n'y aura pas eu de timelapse là-dessus. Donc en tout cas un petit hub qui permet de relier les différentes places éloignées du serveur parce que le but de cette saison en fait c'était pas de partir très loin, mais bon vu qu'on est quand même un certain nombre, donc on est trois à être parti un petit peu loin, le hub pouvait quand même servir. Moi je me suis fait carrément tout un chemin ici. Fanzy en a également un qu'elle a pas relié carrément au tout début du hub parce qu'elle l'avait construit avant que je construise le hub. Donc là ça mène vers la base de Fanzy qu'on ira sans doute voir dans un prochain épisode. Et donc moi pour accéder à ma base il suffit de prendre par là, donc on a également l'accès au temple de l'eau. Donc au niveau du design de mon chemin vous pouvez voir que c'est quand même assez simple, il y a eu un petit coup de freeze. Là on a l'accès au temple de l'eau et puis là on a l'accès à ma base juste ici au stronghold. Nous voilà au niveau du stronghold et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est que depuis un certain nombre d'épisodes en fait il y a des épisodes exploration. Donc celui-ci avec par exemple le temple de l'eau avec Steven. Il y a également celui du manoir avec Luapol, Webster, Arknons, Fanzy et Bishouk. Il y a eu également celui des cités de l'End avec Toughmind, donc le dernier épisode. Donc pas mal d'épisodes d'exploration dans lesquels on a pu obtenir des trophées, donc voilà je les ai stockés dans cette petite shulker box. Donc le totem, l'éponge, la tête de dragon, voilà. Et ces trophées en fait ce qui serait bien c'est qu'on puisse un petit peu les exposer. Du coup pour cela je vais réaliser une petite galerie d'art, je sais pas trop où dans le Stronghold. Et donc une petite galerie d'art histoire de stocker un petit peu nos trophées. Un genre de petit musée, voilà, parce qu'on a quelques pièces dans le Stronghold, ce serait bien d'avoir un petit peu, enfin, des pièces, ouais, comme ça, des pièces pour exposer nos objets. D'ailleurs, j'ai un petit peu avancé, j'ai fait ce couloir-ci qui nous mène à un accès juste ici, qui mène à la ferme à XP aussi, donc ça fait un second accès. Ici, on a une petite pièce au-dessus, avec un jukebox, une table de craft, on ira voir ça tout à l'heure. Donc, qui mène, ensuite, ce couloir-là mène juste au niveau de l'arrivée de ce pont. Et du coup pour accéder à la pièce où il y a les trappes, les jukebox et tout ça, il faut qu'on monte au niveau du dortoir, donc par ici. Ensuite on passe par ce petit chemin qui va d'ailleurs surplomber un autre ravin, parce qu'on a pas mal de ravins, il y en a 4 au total autour du Stronghold. Donc voilà, avec une autre section du Stronghold par ici qui n'est pas encore aménagée, et là on a également une petite face extérieure qui a été décorée. Et on peut accéder au niveau de cette pièce là, donc dans laquelle il y a une table de craft, des pots de fleurs, un petit tableau. Un jukebox histoire de lire un peu de musique, j'ai pas encore apporté de disque, et puis donc le sol en trappe qui peut également nous permettre de descendre comme ça. Alors voilà l'endroit où je vais installer notre musée, donc vous voyez qu'il est tout proche de la salle des coffres, la salle des coffres est juste ici. Je voulais essayer de le mettre autre part mais malheureusement bah, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il peut rentrer en fait parce qu'il a un design assez particulier. Donc voilà il va être ici avec de quoi exposer des choses sur les murs et ça va faire un genre de une petite forme comme ceci. Avec une autre sortie de ce côté là comme ceci. Alors on va commencer du coup à le décorer. Au niveau du plafond on va avoir du dark oak, donc on va commencer à peu près ici. Je verrai bien comment je fais la transition entre ces deux états là, enfin ces deux parties là, soit je mettrai une porte, soit je sais pas, peut-être un truc un peu plus original. Mais en tout cas on va avoir tout un plafond en dark oak parce que c'est quand même un bois assez noble en apparence. Et donc au niveau du sol on va avoir du spruce, donc ça se rapproche un petit peu du dark oak.
mais on voit comme ça que ça a été piétiné et puis que c'est pas du tout le même bois non plus. C'est un petit peu un genre de parquet, alors que là pour le plafond, ce serait plus peut-être du lambris ou un truc comme ça. Au niveau des murs, il va y avoir certains endroits où il va y avoir des expositions. Donc ces endroits-là, on va mettre des stone slabs devant, histoire de mettre un petit peu en valeur l'exposition. Donc c'est le cas pour tous les endroits en fait où il y a des petits renfoncements dans le mur. Et puis il y en aura également un à peu près ici. Je ne l'ai pas encore préparé, mais voilà, il y aura une exposition ici. Donc sinon, il va falloir que j'aille chercher d'autres matériaux comme des sea lanterns, des carpettes rouges aussi, parce qu'on va en avoir besoin de pas mal, et un petit peu de quartz. Donc on se retrouve après. Alors les six lanternes vont aller au plafond histoire d'éclairer un petit peu. Donc on va mettre une là par exemple au-dessus de cette exposition là. Vous verrez d'ailleurs après ce que ça va être. Je pense qu'on va également en mettre une par là sans doute. Après, au-dessus de cette autre exposition, peut-être une au milieu ici. Et pour terminer du genre une ici au-dessus de cette exposition également. Donc voilà, on n'en met pas énormément, c'est pas non plus elles qui vont assurer tout l'éclairage de la pièce, il y aura aussi des torches. Alors dans les coins, je vais mettre des pots de fleurs, donc sur des piliers de quartz, ça va faire un petit peu des piliers de marbre comme ceci. Et histoire de les décorer un petit peu, je vais mettre des carpettes autour, donc ça me donnera également l'occasion de pouvoir cacher un petit peu de lumière sous les carpettes. Je vais mettre un également dans ce coin-là, faut juste d'abord que je remplace avec de la stone brick, histoire que ce soit un petit peu mieux. Alors ici on va voir une première exposition, donc on verra après ce qu'on va mettre. Enfin je sais déjà ce qu'on va mettre, mais en tout cas on va les placer après. Ici on va avoir une autre exposition avec deux pots de fleurs que j'ai oublié de mettre, il faut que je les reprenne dans le coffre, voilà. Hop, hop comme ceci. Et puis on va mettre pas mal de tapis rouges aussi, juste ici, enfin juste par terre. Faut juste d'abord que peut-être que j'aille prendre un petit peu de lumière pour éclairer tout ça. Voilà, on va planquer une petite glowstone juste ici, et puis on va pouvoir mettre des carpettes juste au-dessus. Donc là, on va avoir une item frame qui va contenir un des loots. Juste ici, je vais peut-être du coup remettre un petit peu d'éclairage parce que c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Donc voilà, un petit éclairage ici, on va en mettre également un là. Hop. Là, on va avoir un des trophées et là un pot de fleurs, mais j'ai plus de pot de fleurs, donc je le mettrai tout à l'heure. Hop, ici, on va planquer une petite glowstone encore une fois, histoire d'éclairer des carpettes rouges. Donc le trophée, bah on va pouvoir aller chercher les trophées en fait tout de suite. Il manque juste ce petit endroit où on aura également un dernier trophée qu'il faut que je prépare. Premier trophée qu'on va avoir, ça va être cette tête de dragon qu'on va placer juste ici. Je pense que d'ailleurs je vais plutôt mettre des carpettes rouges ici avec une petite glowstone encore une fois histoire d'éclairer parce qu'on n'y voit pas grand chose et ce serait bien de la mettre un petit peu en valeur. Hop, donc comme ceci, des carpettes. Voilà, à voir si je mets peut-être des emeralds aussi à côté, ça pourrait être sympa. Je sais pas trop pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Dans cet item frame, je pense que vous l'aurez deviné, on aura le Totem of Undying qu'on va mettre juste ici. Voilà, un petit peu mis en valeur également. Là, ça va être un petit peu plus particulier parce que ça va être un design assez différent. On va avoir du lapis-lazuli comme ceci. Il faut juste que je prenne ma pelle. Ensuite, on va avoir de la prismarine. Il faut juste que je prenne une petite scie lanterne comme ceci. Hop. Et donc on va poser des six lanternes, on va en mettre en fait à la place de ces blocs de lapis histoire d'éclairer un petit peu notre décoration. Donc on va avoir un mur en prismarine juste derrière tout ça histoire de remplacer cette stone qui n'est pas très très belle. Hop, comme ceci. Et je pense que vous l'aurez deviné, ça va être le monument pour l'éponge. Donc on va avoir, hop, comme ceci, du vert bleu histoire de faire un peu comme si on était dans l'eau. Là on va avoir le bloc d'or. On va prendre une item frame dans laquelle on va poser notre éponge comme ceci. Hop, il me manque plus que du coup à prendre une petite glowstone, des petites carpettes histoire d'éclairer un petit peu encore une fois. Vu qu'on a une vue sur la falaise, enfin sur le gouffre, je pense que je vais mettre ça juste ici, une petite vitre. Comme ça on pourra aménager un petit peu l'extérieur et faire un truc qui ressort un petit peu. Un peu comme ce que j'avais fait du coup par exemple juste ici. Je pense qu'on a moyen de faire un petit truc, voilà, une petite décoration en bois histoire d'agrémenter un peu la vue qu'on a depuis le gouffre. Donc ce dernier trophée, ce sera une tête de Wither que j'ai dans ma maison du spawn. Il faudra que j'aille la chercher. On la mettra après parce que là pour l'instant je ne l'ai pas sur moi. Mais donc voilà, on aura une tête de Wither juste ici pour décorer. Du coup, il me reste plus qu'à remplacer les derniers blocs avec de la stone brick. Et puis peut-être à voir à quoi est-ce que je vais pouvoir relier ça aussi parce que je vois pas trop à quoi je vais pouvoir le relier pour l'instant. Et voilà, on termine en ajoutant le dernier détail, un petit painting comme ceci pour décorer un petit peu. Pour l'entrée, je sais pas trop si on va partir sur une porte, peut-être une porte comme ça. Ou alors j'avais une autre idée, on pourrait éventuellement partir sur une porte en dark oak.
qui est un petit peu plus, comment dire, un peu plus noble, mais qui fait un petit peu bizarre dans le passage. Je vais peut-être la laisser, je sais pas. Du coup, ici, il faudrait que je remplace avec du spruce. Malheureusement, j'en ai plus. Ou alors, je mets la porte dans l'autre sens, peut-être. Comme ça. Ouais, je pense que comme ça peut le faire. Faudrait que je mette peut-être un panneau qui indique que c'est le musée ou un truc du genre. Voilà, j'ai terminé au niveau de notre musée, du coup. L'entrée se fait par ici, par cette petite porte en dark oak. On a donc nos expositions comme ceci. Et puis ensuite, on a la sortie de ce côté-là, qui elle mène au début, enfin quasiment au niveau de la salle des coffres, en fait, juste ici, comme ceci, avec un petit couloir. Un petit peu de fer ici, je sais pas trop si je le garderai. C'était pour faire un petit peu comme dans le Stronghold Vanilla, mais je sais pas trop, je verrai bien. Ça faisait un peu vide sans, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Donc je pense qu'on va s'en arrêter là pour l'épisode, mais juste avant de se quitter en fait, je voulais juste vous informer que je suis passé dans une interview, donc sur la chaîne de l'interview du Kiwi. La vidéo s'affiche en ce moment en haut dans le petit i. Donc si vous voulez aller voir, ça peut peut-être vous apprendre quelques trucs, et puis ça peut également vous permettre de découvrir la chaîne de Captain Kiwi qui fait pas mal d'interviews de youtubeurs. Par exemple, il y a déjà Oran et Gribi qui sont passés, il y a ML2G aussi, si vous voulez aller voir. Donc voilà, en tout cas c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Et donc moi je vous dis à la prochaine, allez salut!